Bonjour à tous et à tous, ici MathMath.tv qui a présenté cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons présenter une version que vous connaissez tous, noir et blanc, diamant plat platine. Donc voilà, donc du coup je vous fais une vidéo dessus. Alors du coup, avant de commencer, je vais vous montrer un truc. Donc déjà, on va commencer déjà pareil sur le PC. Alors, avant que ça génère et tout, je vais vous présenter déjà un site. Non, si je veux pas mettre BI, bon, c'est pas. Hop, voilà. Donc déjà, alors, on est dessus. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Alors, bon, je sais que vous voyez pas très bien comme moi, hein. Alors, vous voyez Pokémon Classic Network, patati patata, hein. Et du coup, vous voyez un truc bien au loin. Je vais vous zoomer ça. Et du coup, vous allez avoir un DNS. Alors, gardez-le bien en compte, s'il vous plaît. De toute façon, je vais vous montrer comment il faut faire pour le mettre à votre connexion Internet. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et genre, vous voyez, les Pokémon qui ont été déposés dans les versions correspondantes. Donc, genre, noir, blanc, et blanc 2, et noir 2. Donc là, genre, vous avez même les jeux. Genre, là, vous pouvez avoir aussi Diamant, Perle, Platine, Arconte et Soul Silver. Voilà, donc vous pouvez avoir genre les Pokémon là-dessus par GTS. C'est magique, hein. Et du coup, vous pouvez voir la date. Le 12 avril, vendredi. C'était hier. En même temps que je génère le Pokémon sur noir pour rencontrer Pokémon, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, vous prenez votre console, peu importe laquelle, hein, Nintendo 2DS ou 3DS, hein. Alors, vous pouvez prendre la connexion par celui-là ou par une autre. Donc, vous avez le choix. Donc, genre, vous allez prendre connexion DS. Hein. Moi, je fais les deux, hein. Comme ça, moi, je suis sûr que c'est claqué. Donc, genre, je vais générer un petit Caninos sur votre version en même temps. En attendant. Donc, voilà. Donc, vous êtes dans, vous êtes dans l'interface. Donc, moi, je vais partager ma connexion. Hein. Ça va de soi, du coup. Alors, oui. Alors, du coup, on va effacer les autres modifications, parce que du coup, c'est carrément inutile. Vous allez prendre collection 1, configuration manuelle, SID. Donc le SID, c'est le SID du nom de votre connexion. Je rappelle. Hop, vous faites test. Moi, je l'appelle test. Hein. Mais genre, en vrai, il s'appelle pas test, il s'appelle MathématicTube, etc. La clé web, si vous mettez un mot de passe... Moi, j'en ai pas, donc il n'y a pas besoin. Mais si vous voulez mettre un mot de passe, allez-y. Si vous allez bien les plus bas, non. Bon, c'est pas grave, on va faire manuellement. Obtention du DNS. Alors, vous mettez non. Et vous mettez tout simplement le DNS que vous avez vu tout à l'heure. Et vous mettez comme ça. 1, 7, 8. 6, 2. Et vous mettez 4, 3. Et vous mettez 212. Ah, pardon. 212. Donc vous mettez oui. Et vous allez, bien sûr, faire la même chose sur le deuxième. Donc pareil, 178. Ensuite c'est 62. Ensuite c'est 43. Alors c'est plus simple sur l'autre interface, hein, je vous le dis cash, mais bon. Moi je le fais sur partout, comme ça moi je suis sûr. C'est au cas où si on change de connexion. Enfin moi pour moi ça change rien sur le fait. Donc vous pouvez tester la connexion, hein, ça fonctionne. Hein. Genre vous vous connectionnez. Enfin genre vous mettez la connexion. Vous voyez, regardez, Nintendo Mathemat TV, 2DS. Hop, connexion est établie. Je vais juste regarder. Des retours. Retour. Ah oui, j'ai oublié. Pardon, excusez-moi. Alors, adresse MAC, c'est le même. J'ai parlé d'adresse MAC. Alors, pour savoir votre adresse MAC, vous mettez adresse MAC de la console, vous l'avez là.
Il faut bien vérifier si dans vos connexions appareils connectés, si vous avez bien inséré l'adresse MAC, genre qui est bien affichée, c'est bien mis. Si c'est mis, c'est bon. Si c'est pas mis, il faut mettre manuellement, ok? Genre, c'est important. Hein. Retour. Paramètres de connexion. Vous modifiez votre appareil de connexion là. Donc, sous ID, ça s'appelle test et non Mathematutu. Test. Voilà, ça peut être test. Et vous mettez, donc, genre après ça dépend de la sécurité si vous en avez ou pas une. Moi j'en mets aucune parce que j'en ai pas. Alors, il y a où le jeu Blanche 2 là-dedans? Donc, c'est toutes mes affaires. C'est le bordel. Je suis désolé. Genre, ça va être le. Genre, je pourrais pas vous présenter genre en direct live pour Blanche 2. Mais bon. Ouais, j'ai pas de sécurité. Vous mettez le DNS, mettez nom, paramètres avancés, le primaire, vous remettez genre le même, genre supprimez tout, 43 pardon. Excusez-moi. 212. J'espère juste que j'ai pas fait une bêtise sur truc DS, mais on va vérifier après, de toute façon, vous inquiétez pas. Mais c'est bien genre sûr. Je vous le laisserai en description, donc justement pour vous le prendre. 102. Ça c'est juste pour vous montrer en fait, genre. Point 212. Voilà. Donc après genre tout ça, genre vous avez réussi la première étape sur la gloire de vous connecter sur sur la nouvelle genre le, la nouvelle fin genre sur l'interface DS, genre vous connecter online sur Nintendo DS. Donc genre au revoir Nintendo DS bleu, bonjour Nintendo DS rose. Donc j'ai fait la même procédure, hein. Donc j'ai fait pareil, hein. Sauf que là, en gros, je vais vous montrer un petit peu les systèmes, genre un petit peu what the fuck et tout. Vous pouvez faire genre recevoir un cadeau. Bon, moi, personnellement, j'ai reçu tous les cadeaux disponibles. Hein. Genre vraiment tous les cadeaux. Si j'avais la version Blanche 2 là maintenant sur, sur moi, j'aurais peut-être pu vous montrer en direct live. Là, j'ai Argold, si vous voulez. J'ai Argold. Donc là, genre, il n'y a aucun, aucun cadeau trouvé parce que, genre... dans l'album, en gros, je viens de récupérer par le biais de ce jeu un Reshiram et un Mewtwo qui est, voilà, qui est dedans. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Donc, vous avez obtenu tout simplement vos Pokémon sur pack à domicile. Je crois qu'il y en a un par jour à confirmer. Mais bon. Ah, attends, c'est Nazuma Event 2. Ah si, j'ai Blanche 2. Je regarderai après. J'ai Blanche 2. Hop, voilà. Donc du coup, pour revenir sur le jeu, excusez-moi, hein, vous allez là-dessus. Donc genre, on va faire un petit refresh des familles. Donc, hop, F5, 1, F5 sur le PC. Alors, est-ce qu'il y a genre Silver qui est posé? Donc, genre là, par exemple, là, vous voyez, genre, on voit Caninos, genre, pardon, excusez-moi, contre un Ditto. Donc, Karias, c'est Silver, hein, c'est un pote à moi, pote sur mon serveur. Et du coup, on va essayer de le giveaway, en fait, genre, proprement parlé. Bien sûr, on va faire GTS, GTS, échanger. Donc après avoir fait tout ça, normalement, vous allez pouvoir vous connecter facilement sur votre genre la GTS en fait. Et vous allez pouvoir échanger tranquillou avec les personnes correspondantes 6 juin dans la vidéo.
tout le tralala, quoi. Donc là, vous allez vous connecter. On ne peut pas vous raconter de ça, là, non. Hop, je suis déjà connecté sur un GTS. C'est magique, hein. C'est rapide, c'est trop beau. Hop, vous entrez dedans. Donc, vous êtes dans résumé. Waouh, c'est trop beau. Ah, donc là, c'est le Pokémon que j'ai déposé. Donc, on peut aussi demander un Pokémon. Donc là, il a déposé un Caninos. Donc, on va chercher dans Caninos. Donc, c'est... d'oiseau Caninos. Mais recherche. Voilà. Hop. On fait choisir. Donc là, il y a Carias. Donc celui que vous avez vu, hein. Carias, hein, demande un métamorphe. Oui, bien sûr. Et j'ai le métamorphe. Alors, est-ce que c'est le bon? Non, c'est pas le bon. Hein. Voilà. Donc là, c'est écrit dessus, vérification du statut de la GTS. Pouf ! Oh, ça fonctionne ! La vie, ça fonctionne. Bon, notre cartouche n'a pas trop l'air d'être déterre à se faire fonctionner. Désolé d'avoir soufflé dans le micro. Ah, bah d'accord. Aménon qui charge. Voilà. Donc là, j'ai envoyé un message. Je vais dire... Regarde. Et j'ai envoyé... Donc voilà, j'ai envoyé le Pokémon. Vraiment, j'ai des DS, hein. Donc, normalement, ça devrait être bon avec la console. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Je sais pas si genre j'ai encore un cadeau mystère genre encore disponible pour Noir 2 et Blanc 2, mais on va regarder tout de suite. Alors qu'en est-il des autres modules? Vous allez me dire ça sûrement. C'est pas difficile en fait, genre vraiment pas du tout. Voilà, genre c'est la même chose, hein, c'est le même délire. Hein. Genre par exemple, vous pouvez rencontrer un lambda en échange Link. Genre c'est un peu le style échange miracle, mais en Link. Vous pouvez faire des combats aléatoires. Vous pouvez regarder des vidéos de rediffusion. Vous pouvez... normalement, on peut discuter avec cette dame, mais moi, j'ai un code erreur, donc je n'arrive pas à me joindre là-dedans. Genre, vraiment pas du tout. Je peux bien retenter, mais genre, j'ai un code erreur. Donc, pour le moment, genre, je vais pas m'en préoccuper. Je peux déjà distribuer en GTS, donc c'est déjà pas mal, on va dire. Genre, je dis toujours, c'est plus important en GTS que ChangeLink, parce que ChangeLink, je m'en fous. Mais sinon, en soi, en cas général, genre, ça fonctionne parfaitement. Genre, parfaitement. Bien sûr, connecte-toi. Ouais, il m'affiche un code d'erreur. Donc là, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Genre, moi, ça fonctionne pas en tout cas. Après, pour vous, j'en sais rien. Mais moi, ça fonctionne pas. Moi, j'oublie l'idée. Sinon, on va revenir sur cadeau mystère. Donc là, c'est pour Pokémon Noir et Blanc 2, admettons. Genre, c'est là où j'ai pas vraiment spécialement fait. Genre, recevoir par machin. Oui. Oups. Yop. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Bien sûr. Maîtrise de formation, logiciel. Oui, c'est bon, je t'ai mis oui. Oh. Moi, je dois avoir le périphérique de ma console, en théorie. Encore faut-il savoir si c'est encore possible, genre,
Voilà, donc je m'en disais. Non, non, en fait, il est relié avec la box et pas relié avec mon téléphone. Alors, attendez. Ça, c'est un petit problème technique. Mais rien de méchant. Hein. C'est vraiment rien de méchant, c'est juste qu'en gros, il prioritaire la connexion de la box plutôt que la connexion du téléphone. On va dire que c'est un petit peu couillon, on va dire. Mais sinon, vous avez vu en général que ça fonctionnait, voilà. Donc normalement, vous pouvez recevoir facilement... vous pouvez recevoir un Genesect, un Darkrai... Enfin voilà quoi, vraiment de quoi genre s'extasier pour avoir tous les events genre que vous voulez gratosement, genre en mode what the fuck. Donc modifier. Donc pour les connexions, genre pour les connexions genre sécurisées, vous changez juste le DNS. Alors je vais remettre le DNS. Hop. Je sais c'est un petit peu n'importe quoi, mais bon, on n'a pas trop le choix. Alors c'est 178.62.43, pardon, excusez-moi, je suis pas dessus, je suis pas sur l'écran, .212, voilà. Et vous faites pareil sur le DNS suspendu, genre secondaire quoi on va dire, pour en parler. Hop. Je crois vous montrer genre en général, comme ça moi vous me poserez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, genre les commentaires sont ouverts. Si ça concerne sur ma chaîne, vous avez ma réponse littéralement sur le serveur Discord que je les glisserai en description. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. Alors, ce n'est pas genre un hacking, hein, le DNS et tout, c'est un genre... Genre en gros, je préfère vous le dire, c'est un serveur qui n'a rien à voir avec Pokémon, qui n'a rien à voir avec Nintendo. Ils ont ouvert leur propre serveur à la place de Nintendo. Mais bon, je pense que voilà, vous préférez plus que ce soit genre du style genre vraiment. J'espère que ça vous fera plaisir quoi. Alors généralement, j'ai jamais vu aucune vidéo française parlant sur ça. Donc du coup, je préfère vous l'envoyer en direct live. Voilà, je préfère vous l'envoyer en direct live. Donc du coup, j'ai remis le DNS à propre. Donc go là-dessus. J'espère vraiment que ça vous fera vraiment plaisir. Hein. Et vous mettez dans les commentaires, genre un petit merci ou un petit cœur. Vraiment, mettez les petits likes et l'abonnement, c'est super swag. Vraiment, je pense que je peux le mériter, hein, honnêtement. Même si c'est pas de mon invention, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je l'avoue, je le mettrai en description. Mais c'est que en anglais, c'est, j'ai pas vu en français, donc voilà, je préfère vous le dire. Donc voilà. Donc là, vous avez le truc. Oui, bien sûr. Oui. Regardez, sauvegarder en cours. Faites « Oh !» et « Ah !» Oui. C'est sa première fois, genre, que vous connectez dessus, hein. Ouais, il n'y a aucun 14, parce que, genre, j'avais tout récupéré, je pense. Genre, j'avais tout récupéré. Mais, genre, si vous voulez des, genre, des events ou quoi que ce soit, vous savez que la porte est un grand ouverte, hein. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement. Il faut que j'atteigne les 1000 très vite, très rapidement. Si tout est clair pour vous, nickel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et du coup, je vous dis tchuss pour de très prochaines vidéos.